communauté internationale, notamment les États-Unis d'Amérique, à Canada, montrent très déterminés pour fournir assistance nécessaire à la police haïtienne à travers formation policière, avec don matériel et équipement. Canada, pour qu'on parle, pour mettre 100 millions de dollars canadiens. Mais est-ce que ces solutions ça? Non. C'est réponse ça, Pierre Espérance, qui est directeur exécutif, Réseau national défense d'Ouamoun, ENDDH, bail. Faut nous bailler pour les moyens, mais faut mettre des vêtements. Parce que parmi tout le monde, ça a fait un quartier défavorisé. Toujours, il y a une machine blindée de la police qui fait couverture pour un dio. Ou quand il doit pendant parler des équipements moyens pour la police là. Et puis, où est-ce que c'est le bandit, il a préforcé. Je dis, dans le moment qu'il a parlé, il n'y a pas de réunion qu'a fait avec la police nationale, là, c'est pas bon métier. Pendant que, ou a moyen, parallèlement, pour mettre des vêtements dans le café. L'homme, il mettait des vêtements dans le café. Il va beaucoup comme si pour nous tendre, pour, comme si pour faire vêtements pour toute police, non? Mais depuis, on a ces vêtements, là, et puis, laisse la police a commencé pour un meilleur. Pour faire vêtements, ça, Pierre Espérance, quoi, pays d'Haïti a besoin de support communauté internationale, là. Lydie Payan a besoin des policiers qui doivent composer AC. La France, Canada, policiers haïtiens, américains ou africains, et... mais pas ça qui a pris le vol et qui a pris le couche à Capitan, mais les gens qui sont vraiment policiers, qui ont fini, et puis on met une équipe avec policiers qui sont l'inspecteur général de la police, avec l'académie, on met des vêtements à café, depuis policiers ou des vêtements à café. Il va, mais faut pas mettre des mouns qui volent les cabrits, qui couchent les cabrits. Mais songez, ministre qui était petit moun dans le pays, il va quitter petit avec cabrit non, mais il était qu'on vole les cabrits, non, il était qu'on couche les cabrits. Pendant ce temps, 389 cas kidnapping enregistrés, sorti janvier pour arriver, mois mars 2023, soit une augmentation 173% par rapport à deux derniers années, d'après dernier rapport trimestriel, centre analyse à recherche en Douamoun, code publié mardi 4 avril 2023, Renan Toussaint, pour VOA Créole, Port-au-Prince.